Gros, t'es sérieux? On commence la vidéo, t'as les yeux, ça Ok, comme. ma vie. Gros. Il fait Ok, ma caca, du vie. caca dans les yeux là. Je suis fatiguée, il est tôt. Tu pues de la gueule, ma vie. Toi aussi. Non. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il va y avoir un format exceptionnel puisque même ma meuf ne le sait pas. On va pas dans la scène? Non, on va pas dans la scène. Si je te dis, aujourd'hui, notre destin est entre les mains, enfin plutôt entre les pattes. Non. Si Rio mange la nourriture du papier sur lequel le défi est inscrit, on doit réaliser ce défi. T'as compris ou pas? Vous avez compris? T'allais prendre une douche? Oui, moi j'ai un défi pour toi. Tu sais aujourd'hui ce qui va se passer? Tu vas contrôler notre destin, notre... Tu viens... T'as fait quoi, frère? J'ai lâché une goutte. Frère... Me fais pas du sale aujourd'hui. Rio, tu vas faire plaisir à maman, hein. Tu vas faire plaisir à maman. Alors moi, comme je connais ma meuf, et je sais que elle a une hygiène buccale irréprochable, du coup, je vais commencer simple. Étant donné qu'il y a des règles à suivre, il y a le nouveau défi pour Romain. Ça va être simple. La première, c'est lavage de dents avec du dentifrice. Et la deuxième, c'est lavage de dents avec de la Rissa. Oui, de la Rissa. C'est pas du jeu, t'as mis un plus gros morceau, je t'en dans l'arrêt de ça. Mais tiens, regarde, si tu veux, je mets même un gros morceau ici. Allez, dentifrice, 3, dentifrice. 2, 1. Dentifrice. Go. Dentifrice. Dentifrice. Non, là-bas. Je t'ai dit là-bas. Non. Allez, vas-y, vas-y. Dentifrice, Rio, s'il te plaît. Allez, vas-y. S'il te plaît. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bien. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Tu choisiras bien ton deuxième défi? Un peu. Un peu, ouais, un peu. Un peu, j'ai peur. Tu crois que je vais couper ça au montage? Je veux pas me... Oh! Mais c'est beaucoup! Attends qu'on voit bien qu'on n'a pas changé. On n'a pas mis de sauce tomate. Ça va, ma vie? Ça pue! Ça pue! Continue, ma vie, il y a les molaires et tout, les prémolaires. Aïe! Putain, tu m'as mis de la Rissa sur le nez, frère. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as tenu? En fait, dans les deux cas, j'ai l'impression de me faire cloquer, en fait. Je m'habille très bien. Tu t'habilles avec mes vêtements. Poto, écoute, je sais que les deux choix, je sais qu'on va y arriver. Viens, mon cap. Allez, va. Allez, viens. Mais non, Nadila! Je choisis ta tenue, baby! T'as le seul. Il est temps que je décide qu'est-ce que Romain va porter. Tu m'as pas dit comment? Ah, t'inquiète pas, j'ai une belle idée. Et aussi, il va mettre le bonnet, mais la mec! Tu vas avoir un swag de ouf! Allez, mon amour, montre-moi ce que ça fait. Je te trouve trop beau. Retourne-toi. T'es beau. C'est bon, on peut sortir. Ce qu'elle sait pas, c'est que là, elle fait la maline. Elle m'a habillé comme ça et tout. Mais là, je viens de recevoir des règles de la prod. Merci, la prod. Dans ce défi, soit tu te maquilles comme tu veux. T'es saucé, hein. Soit je te maquille. Je te rappelle qu'après, en plus, on a des courses à faire. Je te maquille, tu te maquilles. Tu veux que maman elle reste avec papa? Parce que sinon papa il va changer de maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur la case. Je me maquille. Allez, viens avec moi. Allez, viens. Allez, viens. Vas-y. 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 T'es le plus beau du monde. Et oui, t'es le plus beau. Vous voyez, vous avez quelques secondes avant que je maquille sa tête. N'oubliez pas, pensez à vous abonner là. Donnez-nous un peu de force. Faut de la crème hydratante. C'est quoi ça? T'as un love. Ça, hein? Et ils sont où les trucs pour faire la peinture? Y a pas de pinceau et tout? Si, c'est ça, mais on met la peinture où? Ah, c'est ça. Déjà, faut mais que je peux faire avec les mains, je fais ce que je veux. Écoute-moi bien. Tête. Tu m'as pas mis de crème.
Je suis malade. On dirait pas t'as été au ski. T'as déjà... C'est comme ça qu'on fait ou pas? Dites-moi en commentaire si c'est comme ça. Regardez mon sourcil. Là, on a fait une belle petite pause. Ça fait mal, hein, c'est pourquoi je tape ça. Non, ça fait pas mal. Ferme les yeux. Attends. Ça, c'est le mascara. C'est pour faire quoi le mascara? C'est quoi? Laisse-moi faire, c'est pas toi qui pilote aujourd'hui, d'accord? C'est pour mettre en plus. Lève J'ai un peur. Peu la... Lève un peu la tête. Non, non pas aveugle, s'il te plaît. T'as mal dans le nez. Montre-leur ce que je t'ai mis dans. Ça, c'est de l'anti-cerne. Ouais, il en faut, c'est bien là. Non, mais... Hop là. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je vais rester comme ça? Attends, bah attends, qu'est-ce que tu crois, toi? Mais... Je fais ça bien au moins, wesh. Regardez ma tête. Ok, alors attends. Oh, mes sourcils, ils sont oranges. Mais attention, le mascara. Ah merde, pardon, il faudrait un petit peu là. Mascara encore? C'était ça, le mascara? Oh, wesh. Tu peux lui rajouter l'eyeliner. Oh le bâtard! T'es sérieux là? Non. Voilà. Bah là, franchement, t'es au max. Attends. Ma chérie, ne bouge pas. Là, et tu vas sortir comme ça là? Bien sûr, on va aller faire des courses. J'ai honte. Il y a que des gens qui me regardent bizarre. Ça me gratte le visage. Bah, gratte-toi, ma vie. Bah, ça me saoule, si ça me gratte, je supporte pas être mal maquillée. Tu viens de dire que t'étais mal maquillée? Bah, ça se voit pas en fait, je sais pas, j'ai du mascara sur les sourcils. Ça va et toi? Tu vas bien? Salut. Bonjour. C'est Rio qui choisit notre vie. On met des défis sur des papiers et on met la croquette dessus. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous la trouvez bien maquillée? Ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez dire la vérité. Elle est maquillée, elle est bien ou pas? Il a fait de ses têtes. Excusez-moi monsieur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous la trouvez bien maquillée? Tiens ma vie. Là c'est costaud là. Là c'est chaud là. Mais ça va, ça passe. Ça passe hein, si vous voulez passer sur la psy, c'est mieux à char, c'est bon. Ok les gars, nous voilà en direct de chez KikiKix. Et là, on rentre dans le stock. Wouah, c'est une dinguerie. De quoi tu as besoin, dis-moi? Ah gros, là on a besoin de... Je veux la perle la plus chère. Mais vu que c'est Romain qui va payer. Mais tu sais même pas si c'est toi, si c'est moi qui vais payer. Rio, c'est papa qui va payer. C'est une très très belle paire. Waouh, mais ça coûte combien ça? Ça, ça coûte plus de 1 500 €. C'est un tarif raisonnable. En plus, je la connais, c'est la Travis Scott. Alors pour toi, je pense que l'habit fait en peignoir blanc. J'ai quelque chose qui irait très très bien avec la Presto. Donc c'est iconique. Mais je crois qu'elles sont hyper rares, celles-ci. Celles-ci, elles sont hyper rares. Ça vaut dans les 1 000 €, mais après, c'est très très difficile à trouver. Les gars, on fait ça à l'arrache carrément, genre. Dans la boutique. Mais quand tu dis je, c'est moi Romain ou c'est toi? Parce que... Non, c'est moi. Genre, on le met là. Je rappelle que ce sont des gâteaux diététiques pour chiens. Viens, ma fille, viens. Allez, viens. Va voir papa. Mon bébé, tu vas payer ça. T'as CB. Tu transpires, bébé. Ça fait mal. Bon, moi, j'ai une gueule de merde, mais j'ai de nouvelles baskets. Ça va, je suis heureuse. N'est pas la haine. Les amis, après avoir regardé toute la journée ce maquillage horrible qui me fait l'effet d'avoir de la moustache, des poils aux sourcils, eh ben il est temps que je me venge et que je supplie Rio d'exaucer mon souhait. Le souhait qui est... J'ai marre de ce peignoir, là, j'en peux plus. J'ai changé le t-shirt en dessous. Tu sais, moi, ce qui me fait rire le plus, c'est qu'en fait, ces images-là, elles vont rester à vie, c'est pas une story, tu vois. Ah, bien sûr, comme ça, c'est sûr qu'il y a personne qui s'intéressera à moi. Mais de toute façon, t'as pas besoin, t'es avec moi. Là, c'est de pire en pire. Enfin, on va dire c'est de mieux en mieux. Regarde. Je t'épile, tu m'épiles. Oui. Non, mais je crois que c'est pas comme ça que ça va se passer. Je sais que mon chien adore les sushis. Et là, c'est les jours des fêtes. Si vous m'avez vu comme ça dans la rue, mettez un pouce, s'il vous plaît, ceux qui m'ont croisé comme ça. Tant qu'on y est, ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici.
Rio. Allez, vas-y. Allez, choisis. Allez, vas-y. Rio. Il a choisi quoi? J'en ai marre. Eh là, t'as vu, poto? Moi, j'ai capté ton bail. Toute la journée, tu t'es foutu de wham. En fait, tu sais lire. Poto, juste, tu veux pas le dire, mais tu sais lire, poto. Tu sais même écrire. Je t'aime, mon chat. Mais la vie de ma mère, poto, il est posé comme s'il payait le loyer, lui aussi. Oh, des cires froides. Eh, on a des épilations, pas total manicure body, hein. Mais Théma, on dirait que t'es saucée. La vie de wham, comment t'es trop belle. Ouais, ça, ça. T'as une vraie dégaine. Regarde-moi. T'es quelqu'un, wesh. Je sais. C'est bon, wesh, vas-y. Attends, mais tu vas me prévenir quand même quand... Tu vas me prévenir si elle me prévient pas. Tu vas me prévenir. T'es un homme. Ouais, je suis un homme. Ben voilà. Mais allô, je suis un homme, je suis pas caméraman là. Je suis en train de filmer les deux scènes en fait. Faute de budget, les frères. Mais c'est bon. Un. Pourquoi tu mets des phases de suspense? T'es mal. Aïe. Hey, je les ai trop bien épilés, regardez. Tu vois ce que ça fait? Aïe. Quand tu me dis, mais la nuit, tu piques. Au nom de Dieu. Voilà ce que ça fait. Au nom de Dieu, t'as fait quoi, film? Tiens, prends ton tel. J'en peux plus. Waouh. Regardez comment c'est beau. T'es doux. Je vais au sport, poto. Je vais faire quoi avec ça? Bah, je reste comme ça. Tu veux que je te passe toute la jambe? Non, ça y est, c'est bon. Une jambe. Mais wesh. On dirait, poto, t'es là. On dirait, tu kiffes. Tu vois bien, j'ai un trou ici. Eh, on dirait, t'as tout prévu, gros. Papa, et c'est ce que c'est que de se faire épiler. Ok. Moi, je veux plus donner de sushi à mon fils parce que il a pourri ma journée. Donc, on va revenir sur la dinde. Je rappelle que s'il mange tes crédits, tu dois mettre l'intégralité de tes crédits sur une voiture. S'il mange mes crédits, je mets tous mes crédits sur une voiture. Tes crédits ou mes crédits? Allez, je te laisse choisir. Et mange. Regarde. Tu sens? Oui. Tu sens? Oui. T'es prêt? Ah, tiens. C'est tes crédits à toi! Mais non, c'est tes crédits! Non, c'est tes crédits! C'est moi qui ai écrit! Oh putain! On a remis la vérité dans son contexte. C'est moi qui avais écrit, il y avait marqué tes crédits. Donc, tu vas mettre l'intégralité de tes crédits. Vous voyez là-haut, elle a 3020 crédits. Tu mets 3000 crédits, parfait. 3000 crédits. Vous confirmez 20 participations. Oui. 16 mai, rendez-vous le 16 mai. Rendez-vous le 16 mai pour voir si on a gagné la Tchat 500. N'oubliez pas que quand même, là, on a mis 20 participations. C'est quand même énorme. On a 20 fois plus de chances de gagner. Donc, si jamais on gagne la voiture, on la fait gagner à un abonné YouTube. Et je pense que aussi, même si... De toute façon, si on la gagne, on la fait quand même gagner. Exactement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. 24 heures dans la peau de Rio. Enfin, 24 heures... Guidée par Rio. Voilà, 24 heures. Une journée, on va dire. Parce que c'est pas tout à fait 24 heures. On s'est levé ce matin à 9h30. Il est... 23h30 à peu près. Donc, une journée sous le commandement de Rio. Une journée entière sous le commandement de Rio. Rio a décidé de notre journée. Donc voilà, Rio a pourri ma journée. J'ai dû voilà, j'ai perdu 2500 euros. J'ai perdu arrête d'être radin. J'ai perdu des poils. J'ai perdu voilà, j'étais habillé en peignoir toute la journée. J'ai tout perdu aujourd'hui, donc merci Rio. Hey, tu veux parler? J'étais dans la rue avec cette tête là. Non mais ça va, t'as juste ça. Non, c'est pas possible, bon. Abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner. La journée. Une elle est folle. Eh, la vie de ma mère, arrête de parler avec moi, frérot poteau. Eh, tu vois, je vous l'avais dit. Il parle. La vie de ma mère, c'est pas normal. Il parle, ce chien. Il parle.